Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose d'apprendre trois exercices de pilates que tu vas pouvoir commencer à faire tous les jours si tu veux préparer ta silhouette pour l'été. Je sais que c'est cliché, mais ça fait quand même du bien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Ici, on fait des cours de pilates, on fait aussi des cours de danse orientale et surtout, on s'occupe de ton bien-être. Abonne-toi maintenant! Propose va te permettre de travailler tes obliques et de travailler le petit bout de ventre dont on aime bien, se débarrasser. Alors pour cela, je vais le rappeler très rapidement, mais tu le sais déjà, rentre le bas du ventre, aspire le nombril, je retiens une envie pressante et je bloque la position du ventre dans cette position. Je respire avec les côtes, les épaules basses, on se grandit un maximum pendant toute la durée des exercices. On se grandit de la tête aux pieds. C'est parti. Dans la position allongée sur le dos, je descends doucement. On inspire. Et on commence à mettre en place la respiration sur les côtes. Je lève doucement une jambe en chaise renversée. Inspire et lève l'autre jambe en chaise renversée lentement. Inspire. Et je souffle, je décolle le haut du corps, inspire et en soufflant, je fais 5 battements avec mes bras tendus, bien tendus au maximum. Et je souffle, je fais 5 battements de nouveau. Je contrôle avec les yeux que le ventre ne gonfle pas et je fais en tout 5 répétitions. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, ramène, super. On fait le deuxième exercice, toujours avec les jambes relevées. Cette fois, la main à l'extérieur du corps. Ici, je vais aller toucher la cheville, l'autre main à l'intérieur du corps. Je vais aller toucher l'intérieur du genou. Et sur l'autre jambe, la jambe droite, je vais tendre ma jambe, soit vers le plafond, soit légèrement plus bas. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça creuse le dos et que ça le fasse bouger. Inspire, je retiens une envie pressante, j'aspire le nombril et là, je fais mon échange. La main à l'intérieur sur le genou, à l'extérieur sur la cheville. Et j'échange et on fait 5 répétitions de cet exercice. Ici, ça c'est la version facile. Si c'est trop facile pour toi, tu ne sens pas du tout le travail au niveau de ton ventre, tu relèves le haut du corps et ça te fait travailler encore plus tes abdominaux. Inspire et c'est parti pour 5 répétitions de chaque côté. Et on est à 4 et 5. Ramène les genoux, je vois que mes genoux ne soient pas au niveau du ventre, mais au niveau des articulations. Inspire et pousse avec les talons, souffle, je tends et je replie en inspirant. Je souffle, je tends et je replie en inspirant. 5 répétitions, version facile. Ici, je reste uniquement sur le travail avec les jambes. Je fais attention à ce que mon dos ne se creuse pas. Et version plus complexe, je souffle, je décolle. De nouveau, le haut du corps, je rentre bien le bas du ventre, j'aspire le nombril et en soufflant, ici, je décolle les jambes tendues au plafond, 5 répétitions. Dernier niveau, j'ajoute le mouvement avec les bras. Tout s'éloigne du corps, tout se rapproche. 5 répétitions, il nous en reste 2. Dernière fois. Super! Pour consolider cette routine, je te propose qu'on le refasse encore une fois. 5 fois chaque exercice sans s'arrêter. C'est parti, on recommence. Hop, je m'allonge. Inspire, mets en place tout ton corps. Et je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Je souffle, je lève l'autre jambe en chaise renversée. Inspire et souffle, décolle le haut du corps. Les battements.
dernière respiration. Et ramène. Inspire, prépare-toi pour le second exercice. Je souffle. Et c'est parti. Une jambe tendue, l'autre pliée. Va aussi vite que ta respiration le permet. Ne laisse pas le mouvement prendre le pas sur ta respiration. Dernière fois. Et ramène. C'est parti pour le dernier exercice. Et 5. Je ramène. Je bascule de droite à gauche. J'étire mes jambes, tout le dos. J'étire le ventre également. En étirant tout mon corps de la tête aux mains. Et je peux démarrer ma journée tranquillement. Je t'invite à reproduire cet exercice tous les jours pendant un mois. Et à me dire comment est-ce que ça transforme ta musculature au niveau du ventre. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce. Si tu veux m'aider à développer ma chaîne, je t'invite à partager un maximum les vidéos que tu fais avec moi. Et sinon, mets-moi un commentaire pour me dire comment t'as vécu la séance. J'ai hâte de te lire. À bientôt !